Bonjour. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo non commentée d'Iron Smith, mais finalement je vais la faire commenter parce que je suis toujours en pré-réglage de mon micro et ça me permettra de tester. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? ah oui, alors le jeu, il est, ah ouais, oui, il est en meilleure qualité. Alors c'est marrant parce que du coup, on peut le lancer, on doit le lancer d'ailleurs, si on a une 10e, 11e ou 12e génération d'Intel, le lancer de cette façon. Sinon il passe pas de la façon normale. C'est un peu bizarre. Bon, le jeu est plus joli, c'est sûr. Bon, il a toujours cet effet de blue, là. Je sais pas si je les ai essayé ça. Je sais pas trop en fait. Bon, ça, je peux mettre à fond du coup. Ah, mais j'ai pas mis un épique en plus. Ouais, bon, après, on va pas mettre un épique parce que on sait jamais. Par contre, c'est quoi ça? Fuel de view. Je sais pas trop. Bon, on va pas s'amuser à tout trafiquer ici. Donc, on va voir si le jeu, je le maîtrise mieux que la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Hot ingot, forge, orche. Ah oui, il faut que je forge. Attendez. Comment ça marche déjà? Non, 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 c'est pas... Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça que je veux. Ah. Alors il n'y aura pas que cet environnement, hein. Il y a aussi une autre... Après, apparemment il y a la guerre et on se retrouve avec le Lord, celui qu'on avait dans le tuto là. Par contre je comprends pas du coup pourquoi interact. Pourquoi ça marche pas quand je fais F? Je sais pas ce qu'il fait. Ah, c'est là qu'il demande ce que tu veux. Alors attendez, c'est un quoi du coup? Over? Ah là, horse shoes, craft. Ah, c'est là. Ouais, j'ai pas rejoué, ça fait un petit moment. D'accord. Pas compris là. Ah non, espace. Ah ouais, espace. C'est un peu chiant les gameplays, ils changent tout le temps alors. D'accord. C'est tout? D'accord. Et il faut que je parle à Randomir. Randomir, bonjour. Tiens. Bon, je comprends pas ce que tu dis donc. Ok, les commandes vont venir, vont arriver au fur et à mesure. Ouais, en fait, finalement, ouais. Après, on va passer. C'est tout du tout en fait qui était assez chiant et un peu ennuyé par rapport à certains systèmes. Bon, après, c'est histoire de forgeron. Hein. C'est un simulateur, hein, vous me direz. Par contre, c'est un peu pas léger, non? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ah non, c'est le bus. Pourquoi il n'y a plus de son, non? Allô? Ah. Willowwood. Fervor House. To skip. Bah, ça dépend si c'est intéressant, mais bon. Ah. Non, on va laisser. Ah ouais, c'est le bus. Ok. Donc on n'a pas que ça, ouais. Oh, y a-t-il à perdre, regardez. Je pense qu'il faudrait un français pour bien comprendre l'histoire parce que j'ai rien compris. My name is Olaf. Ah, ah non, je croyais que c'était des morts, c'est des pierres. Y a la mise en scène et tout quand même. Attention. Ah, il est là.
C'est toi qui nous as bêté notre tuto? Ah non, c'est mal fait, vous voyez, entre la différence entre le nom du truc et tout, c'est vraiment pas bien fait par contre de l'écriture. Je sais pas ce qu'il dit, mais bon, on s'en fout. Alors, faut suivre le baron. Ah, tu vas pas me refaire comme dans le tuto, m'expliquer à moitié? Ah, du coup, carrément, vous m'avez embauché, quoi. Ah, j'ai même pas mon mot à dire, quoi. Continue. Non. Je suis demandé de répéter. Je suis trop teuteux. Ok. Alors, il faut crafter une sword. Alors, il faut prendre du charbon. C'est où le charbon? Ça, c'est bon. Ça, c'est l'eau. Ouais, mais tu me donnes pas le charbon. Ah, c'est là, non? Non, mais pas. Ah, j'ai ma baraque et tout, en plus. Bah, j'imagine que c'est ma baraque, parce que... Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des... C'est quoi ça? Ah, ça, c'est les moules. Que j'avais pas compris. Enfin, je voyais le crucible. Une pick-up. Un marteau. Comment on fait pour l'inventaire, déjà? Attendez, j'ai pas ajouté des trucs, là? Non? Ok. Par contre... Ah, mais j'ai du bois. Ah, mais j'ai tout sur moi, en fait. Je pouvais pas le dire avant. Oh. Alors. Comment on fait déjà? Je m'en rappelle plus déjà. ah oui, c'était deux, non? Ah oui, c'est ça. Et après, c'est... C'est pas eux? Ah, c'est A. Ok. Après, c'est... I. Prendre le bois. Mais là, on fait... Ah. On prend I, on en met 5, comme ça on est tranquille. Voilà. Après, on va prendre... Alors attendez, parce que du coup, c'est pas le même principe que je suis resté bloqué sur ma chaîne, moi. Sur... Comment il s'appelle? Sur Blacksmith. Donc du coup, c'est pas tout à fait pareil. Le truc... Hop, on fait ça. Et on va voir si c'est ça, si je m'en rappelle parce que... Normalement, on fait up avec pick-up. Ah, mais il me la pick-up? Pourquoi tu me la pick-up? Ah, ça y est. Allez, il faut attendre que ce soit à 100%, oui, c'est vrai. Après, Fantasy Blacksmith, je vais continuer, mais ah, bah, vous verrez, vous savez que la vidéo, vous la verrez après, je bête. Je vous spoil. Je joue avec le casque dans les oreilles, ça fait bizarre parce que c'est un truc que je fais pas, que je fais jamais. Mais bon, je pense qu'il est mieux ce casque à mettre sur les oreilles. Hein. Bon, c'est vrai que graphiquement il est plus joli quand même. Donc comme quoi les petites configs ça marche pas terrible. Ah ça y est. Alors eux. On est d'accord que tu l'as pris avec toi. Après il faut faire quoi déjà? Ah. Ah. Interact. Ah, une épée. Non. Une garde. Il m'a pas dit ce qu'il voulait par contre. Nordique. Bah vas-y, écoutez. Ah mais il en faut 2 sur 3? Comment ça il en faut 2 sur 3? Je comprends pas. Ah, attendez. Ah il faut un truc de 3. Non, pourtant. Ah, peut-être qu'il faut les deux ensemble.
Ah oui, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Y a pas de système de refroidissement. Du moment que c'est chaud, c'est chaud. Ah, d'accord. Et? Pas compris là. What? Ouais, j'ai pas compris la subtilité du truc, mais bon. Ouais, on a ça, mais on n'a pas le. Ah ben il est là. Bon, après je sais pas comment on fait après. C'est pas cette histoire de moule, je sais pas quoi là. Si, c'est ça. Clice. Interact. E. Blade. Ah, c'est ça. Thunderbolt. Ouais. Confirme. Et après, tu fais comment? Attendez. Ah, c'est ça l'histoire du crucible. Il est où le crucible? Cette étape je la connais pas moi. Bon, vous savez quoi, on va retester avec je vois pas de crucible là. Ah si, crucible là, il est là. C'est ça qu'il faut faire fondre pour mettre dans le moule. Par contre, sur le mieux où ça? Ah, peut-être ça. Non, je pense qu'il faut ça. Non, attendez. Insert the lingot. Et là on fait chauffer. Ah, c'est ça qui manquait, c'est l'étape qui manquait dans le tuto. J'avoue, je suis allé voir un petit peu Dr. Horse qui fait une vidéo sur le jeu. Ah bon, lui il teste bien avant, donc c'est pour ça qu'il trouve les mécaniques, qu'il a appris les mécaniques, il les montre bien. Moi je préfère faire comme si, comme je suis un joueur lambda. Hein. Voir si je trouve moi-même quoi. Bon, après c'est pas bon, c'est vrai que c'était ennuyeux la dernière fois que j'ai joué, mais bon, mais c'est surtout les graphismes qui m'avaient choqué en fait, peut-être ça aussi. Après c'est un jeu de, faudrait jouer un petit peu, mais bon, je pense pas qu'il soit, je pense qu'il est un peu répétitif par contre. Donc là on pick up et là on fait dedans, c'est ça. On fait. Ah non, merde. Ah, attendez, ça il faut le mettre quelque part, mais où? Et après on fait comment pour le mettre dedans? Ah, par contre il manque un truc là. Merde. Ah, peut-être. Ah non, non. Ah, c'est pour jeter. Non. On va le mettre dedans. Par contre, ce que je comprends pas, c'est ça. Il faut le mettre où ça? Ouais, c'est bon. Ah, mais il avait plus l'épée? Confirme. Et après tu le mets où? Ah? Ah, mais du moment que tu le mets par terre, il casse le truc. Non? Attendez. Où on peut mettre ce moule là? Il y a la me... Ah, c'est ici, non? Ah ouais, regardez. C'est ce que j'avais vu avec l'entonnoir. T'as 100%, c'est bon. Là, tu le mets là-haut. Ah. Et là, tu fais intact. Ah, d'accord. Oh, mais il faut viser soi-même. D'accord. Ah, c'est pas pratique cette partie-là. Par contre. Donc, je vis. Mais non, on prend pas ça. Ah.
Mais il est même pas fini le truc. Pick-up. Ah, cette étape est pas facile, hein? You met and metal? Quoi ça, you met and metal? Pourquoi le truc du coup elle est déjà finie? A, F, E. Mais elle est moche. Elle est moche l'épée. Attendez, est-ce qu'il faut la mener du coup? Ah attendez, parce que... Vu que j'ai jamais fait, merde. Alors F. F. Alors, c'est Q, non? Non, D. Attendez. Ici, green. Ouais, comme cette étape, je l'ai raté un peu. Hop là. Ah ouais, me casse pas. Ah peut-être que... Ah, il faut la mettre là. Il faut d'abord la finir, non, je pense. Ah bah oui, je suis con. Mais bah, nul cette épée. Mais c'est pas mal le système, tiens. J'aime bien. Bon, le coup du versé, c'était pas trop... c'est pas terrible. Il n'y a pas très écho sur l'épée, je pense. Ok. Donc là, on fait pick-up, c'est ça? Et après, on va... Quoi? On fait ça? Ah non. assemble. C'est ici? Attends, j'essaie de comprendre, hein, parce que... Ah. Ah, ça me dit... Ah, mais si, ça me dit là, regardez. Non? Attendez. Y'a où mon épée? Ah, j'ai toujours. Anvil, ouais. Mais y a plus rien. Ça c'est fini. Y a plus rien là. C'est le mec des charrettes. Il faut que je fasse quoi? Merde, il manque une étape. Et là c'est I. Et attendez. Attendez, j'ai un problème là. Pourquoi l'épée... Ah, elle est là. Bon, elle le voit en plus. Ah non, mais le vol, regardez. Ah, ça a bugué encore, non? Ah non. Pick up. Ah, j'ai pas de pince, c'est ça que tu veux dire? Mais si, j'ai mes pinces. Ah, je suis pas des pinces. Ah, mais si. Pourquoi il est toujours... Ah, il faut la refroidir. Putain, je suis con. Small pincer. Ben, je les ai. Ah, ça a bugué. Merde, il fallait la refroidir ici, regardez. J'ai oublié. Putain, ça, me... oh, ça a bugué complet, là. Ah, ça y est. Ah voilà. C'est pas au point encore. Hein. Ah oui, c'est ça. Putain. Heureusement que j'ai joué à Fantasy Blacksmith il y a pas longtemps. Après celui-là, parce qu'il y a des trucs que je n'aurais pas capté. Après, il faut la mettre où alors du coup? Elle est là. Après, il faut la remettre là, je pense. Non. Ici. Ah, si. Et c'est là qu'il faut rentrer le pommeau, la garde. Et Ah, j'ai pas mis la... Ah, mais il manque la hand. Il manque un truc. Mais il m'a pas fait la hand, ce con. Bon, reste là, toi. C'est quoi? Non, c'est juste le workbench. Alors, la hand. Comment on fait pour faire une hand? Pose-toi là.
Alors, du coup, il manque la hand. Mais la hand, c'est pas un bois. C'est un bois, non? Ah, il vous dit tout. Ouais, moi, c'est surtout la hand que je vous... Ah. Oui, ça, j'ai compris que s'il fallait assembler. Ouais, mais il te dit pas comment faire pour la hand. Ah. Ah, mais il faut l'acheter! Attendez. Cette étape, je la connaissais pas. Bonjour. C'est pas lui, là? Attendez. Bonjour, cherche une poignée de d'épée, s'il vous plaît. Une poignée d'épée. Toi, t'es quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Toi, t'es quoi? C'est ça, voilà. Putain, il fallait le savoir. C'est quoi la moins chère? Bon, on va prendre celle-là. Putain, il fallait le savoir, ça. Allez hop, on peut sauter. Je sais pas à quoi ça sert. Mais... On ira visiter le village après. Alors attendez. Du coup. Allez, interact. Ah non, je l'ai acheté la arme pourtant. Attendez. Ah, c'est pas ça. C'est ici. Smooth handle. Ah, il faut peut-être prendre une médium. Ah. Ah, j'ai pas. Ah, c'est une small, alors peut-être ça. Attendez. Ah. Il est vraiment chiant ce jeu. Ah, je me suis bloqué justement quoi. Une large, une médium, une médium, une small, voilà. Eh ben du coup on va acheter ça. Enfin, j'ai des sous parce que. Ah. Donc ils expliquaient tout sur un petit tuto. C'est pas mal. Alors là si tu me dis que c'est pas bon, je te mets ma main dans ta gueule. Ah si. Eh ben. Clic. Ah clic bail. Et clic garde. C'est quoi la garde? C'est ça. Ah c'est tout. Ah dans l'autre jeu il y avait quand même une petite mise en scène. Petite mise en scène, un petit truc à faire quoi. Parce que là, il n'y avait pas terrible mon épée quand même. Voilà, en même temps il faut que je la polish. Donc attendez, du coup j'aurais pour faire une large sword. Attendez. Ah. Je l'ai sur moi les... Ah oui, je l'ai sur moi. Alors, comment on fait? Place object. Interact. Alors, A. F-Live. Ah. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. D'accord, il faut faire ça en fait. C'est pas mal quand même. Ouais, j'ai bien fait finalement. Ah, j'ai eu peur, je trouvais que ça allait bugger. Oh, fait peur ce jeu. Mais je l'ai pas polish. Il me dit polish engrave. Ah, engrave, c'est-à-dire quoi? Ah. Bon, je vais voir s'il faut le refaire, mais... Non, interact. Engrave, c'est-à-dire quoi? I. C'est où que j'ai vu tout à l'heure? Ah, skill tree, c'est quoi ça? Non, c'est ce journal. Ah. Ah d'accord, t'as des trucs arcane, machin. Ah, c'est cool ça. Help book, tu vois, ça chercher.
Ah, c'est H. Alors, quand t'as fait ton arme? Ah, il faut la mettre dans le truc, c'est ça? C'est où ça? C'est dans la maison? D'ailleurs, j'ai toujours mon épée sur moi. J'ai pas l'impression. Elle est où? Ah, elle est là, regardez. Vilaine. Ah, un engraving table. Ah, c'est pour une décor. Choose des calques. Et choose décor. Ok. What? Et après on fait quoi? Ah non, c'est bon, il a fait. Bon, je sais pas. Et après il faut que je la donne au baron qui est ici. Eh ben dis donc. Continue. Et maintenant 30 points. Quoi, qu'est-ce qu'il a lu? Ouais, bon je sais pas trop ce qu'il veut dire mais. Ok. Et là, il faut que je choisisse la fin de ton pot de fournée. Et ok. Voilà. Bon. On va juste visiter le village, voir ce qu'on peut faire dans le village. Et après, je vais arrêter parce que c'est bon. Je le ferai peut-être moi-même tout seul, tranquille. Bon, le jeu est plus joli quand même. Hein. On va pas rentrer dans les baraques. Il y a un... D'accord. Il y a un forgeron. Bûcheron. Forgeron, c'est moi. On peut rentrer dans le maïs? Non, ouais, on n'est pas bloqué. Ah ben là, on est bloqué par contre. Il y avait la rivière. Vous avez pas vu. Oh, le petit cochon. Attendez, on peut faire quelque chose? J'ai vu une interaction. Ah non, on peut s'asseoir. Pour regarder les cochons. Faut pas trop intérêt, moi. Oh, on peut ouvrir. Ah, c'est la porcherie, ça. C'est la porcherie, c'est la boucherie plutôt. C'est pour fumer cochon. Ah, il y a des endroits où on peut rentrer. Ah, j'ai dit, des trucs. Bon, il y en a un qui a l'air un peu décédé là. Oui, il a l'air un peu décédé lui. Il a eu la fièvre porcine. Ouais, c'est mieux que le petit. Je croyais vraiment que sur le coup c'était qu'un petit décor quoi. Bon après c'est pas très très grand mais. Ah, on peut ouvrir ça aussi. Oh! Attendez, à mon avis. Eh, peut-être qu'on pourra farmer là. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est les gardes. À la taverne. Qu'est-ce qu'il y a à la taverne? Est-ce qu'il y a du... Vous voulez pas que je rentre? J'ai l'âge. Thank you. Je sais pas ce qu'il veut dire. Ah, j'ai en train de picoler. Ah, en plus, je suis bourré. Merde. Ah, c'est boire ou conduire. Ah merde, c'est bon. Il n'y a pas de voiture. Ouais, les chevaux, mais... Voilà, putain, je suis quand même bourré, quoi. boire avec modération. Ah là, il y a... Ah, oula, la potence. Ah, il y a pas mal de choses qu'on peut rentrer, quand même. Ah, c'est sympa. Ouais, j'aime bien écouter ce sympatoche. Bon, c'est vraiment dur à... Bah, dur. C'est contraignant de faire les épées, quand même. Mais je continuerai tout seul de mon côté. Voilà. Bon, on a moins découvert. Par contre, on reste longtemps bourré, quand même.
je continuerai de mon côté tranquillou, je ferai pas d'autres découvertes. Voilà, c'était aussi pour faire encore un test micro, parce qu'il faut que je trouve la bonne configuration aussi. Donc autant le faire sur un jeu que j'avais envie de faire aussi. Allez, je vous dis à plus et au revoir pour une prochaine aventure sur notre jeu très très différent. A plus.